gouvernement vieilli, Mhozi, est préoccupé par l'augmentation de la production agricole pour que chaque bouche ait à manger et chaque poche ait de l'argent. C'est dans cet objectif que le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a élaboré un document de référence et qui serve de guide pour une augmentation de la production agricole, de l'élevage et la protection de l'environnement. Pour l'atteinte de cet objectif, les actions suivantes ont été mises en avant, notamment la poursuite de la disponibilisation des engrais organominéraux et la doromie à un prix abordable pour la population, la multiplication des semences sélectionnées et favoriser leur accès aux agriculteurs, la protection du sol par la lutte anti-érosive, l'aménagement des marais, considérer la saison sèche comme d'autres saisons, la sensibilisation à l'irrigation en utilisant les canaux d'irrigation et l'irrigation collinaire à travers les motopompes, la protection des sources d'eau, des rivières et des lacs, la multiplication des étangs piscicoles et des arbres, la plantation des arbres à travers le vaste programme national Ewewurundurambaye, repeuplement du cheptel à travers la chaîne de solidarité communautaire et l'amélioration génétique par l'insémination artificielle et la protection des végétaux et des animaux contre les maladies et ravageurs. Dans le cadre de se préparer pour cette saison sèche, le ministère a redoublé d'efforts pour sensibiliser tous les agriculteurs afin de considérer la saison sèche comme d'autres saisons. Ainsi, cette année, il est prévu de cultiver de façon moderne 14 734 hectares et sur ce, les actions déjà menées sont les suivantes. Pour faciliter le suivi, le recensement de toutes les terres de manière qui ont 2 hectares ou plus a été fait. 7 486 tonnes d'engrais sont déjà disponibilisées et 2 372 kilos de doromie et sont déjà aussi disponibilisées. 80 pompes pour arrosage sont déjà disponibilisées. Les semences de maïs, pommes de terre, haricots et maraîchères ont été aussi disponibilisées.